Bonjour, on va expliquer aujourd'hui le chapitre 2 qui s'appelle statistique. Statistique, c'est-à-dire on doit faire une étude sur quelque chose qu'on doit le lancer dans le marché. Maintenant, on dira c'est un le chiffre de Nasgrasso, produit, dawa, appel, choua. Dans le premier casier, on a ce qu'on appelle le pourcentage qu'on a étudié dans le chapitre 1. Le pourcentage est donc à 20%, 5%, 75%, 10%, 25%, 50%. Ici, on doit savoir quelque chose. Que toujours pour l'angle en degré, okay, toujours pour l'angle en degré, on a ce qu'on appelle, je vais laisser le total ici, je vais l'expliquer après. On va savoir pour la toujours, on appelle 100%. Et ici, pour l'angle en degré, la somme des angles en degré est toujours 360 degrés. La somme de la pourcentage est toujours 100%. Et la somme des angles est dans un cercle est toujours 360. C'est pour cela qu'on doit étudier par cœur que pour passer de l'angle de pourcentage à l'angle en degré, on doit multiplier par 3,10. Pourquoi? Car si je divise 360, comme j'ai fait dans le chapitre de proportionnalité, sur 100, on obtient quoi? 3,10. Ça ne change pas. Toujours on a 360 sur 100. Toujours ça ne change pas. Alors, comment compléter? Je vais multiplier 20 fois 3,10, c'est 70. 5 fois 3,6. Je veux travailler avec la calculatrice. Par exemple, 5. Fois 3,6 et nous donnons 18, 75 fois 3,6 et nous donnons 970, 10 fois 3,6 et nous donnons 36, 25 fois 3,6 et nous donnons 90, 50 fois et nous donnons 180. C'est comme j'ai travaillé avec les pratiques. C'est comme ça qu'on a complété le tableau. Par exemple, si nous donnons un exemple, il y a des élèves dans une école qui pratiquent le sport. Il y a des élèves qui jouent le basket. Il y a des élèves qui jouent le ping-pong. Il y a des élèves qui jouent le football. Ici, le dernier casier de tour est toujours sur le total. Par exemple, le pourcentage des élèves qui jouent le basket, j'ai 50% des élèves qui jouent le basket. Le ping-pong, c'est 20%. Le football, qui peut me dire comment je peux savoir qu'est-ce que je dois mettre le nombre ici. On a 50 et 20. Le total, c'est combien toujours ici? 200. Qu'est-ce qu'il nous reste 100 moins 50 plus 20 souris, il nous reste quoi 30%. Alors, regardez la bonne table. Alors, je vais dire, on est pas en 1, en 2, de ma lettre. Total, la bonne table est 360. À tout un petit peu, parce que du pourcentage en 1, je fais 3, 2, 6. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je me multiplie 50 fois 3,6. Peut-être que j'obtiens. 180 degrés, toujours l'angle en degrés. 20 fois 3,6, c'est 72 degrés. Et 30 fois, c'est 108 degrés. C'est comme ça que j'ai complété le tableau. Maintenant, je veux représenter ce tableau-là par un diagramme circulaire. C'est quoi un diagramme? Je place un cercle de centre haut et de rayon, peu importe le rayon. J'utilise le rapporteur. Comment je veux travailler? Je veux travailler avec le rapporteur. Le premier angle que j'ai obtenu, c'est combien? 180 degrés, c'est-à-dire c'est un angle plat. Je complète par un angle plat. Qu'est-ce que je fais si j'écris 180 degrés? Quel est le score d'activité? J'écris ici le. Le deuxième angle,
qui est le qui pense, c'est 72 degrés. Je complète avec ici. 72 degrés, je marche 10, 20, 30, 40, 60, 70. 72 degrés. J'écris ici le ping-pong. L'angle, c'est. Le troisième angle vient directement seul, c'est 108 degrés le zéro. Et comme ça, on a représenté le tableau statistique sous forme d'un diagramme circulaire. Et c'est ce qu'on veut étudier dans ce chapitre. OK? Alors, comment travailler un tableau statistique passé de pourcentage à 90 degrés? Et comment représenter ce tableau statistique sous forme d'un diagramme circulaire?